Bonsoir tout le monde, on se retrouve ensemble pour une petite découverte sympathique. C'est Surgeon Simulator, le numéro 2. Alors c'est un jeu qui est sorti il y a très très longtemps dans sa première version. Il est de retour pour un tout nouvel opus. Alors deux points forts dans le jeu, l'humour omniprésent, c'est un peu un Docteur Maboul façon jeu vidéo. Par contre, ce qui n'est pas toujours évident, c'est la dextérité, la maniabilité pour pouvoir faire les opérations de manière à peu près convenable tout de suite. On découvre ça ensemble. Alors bien sûr, on va utiliser le didacticiel déjà pour nous remettre dans le bain, parce que ça va faire quelques années, voire une dizaine d'années. Please excuse the unconventional entrance. We like to put the fun in functional here. It appears your invitations were mysteriously sent out a little early. The facility isn't open to the public yet and hasn't been fully tested for trainees. Never mind, I guess you'll be our beta testers. Come on through. Ah voilà, on utilisait tous. Alors j'ai dû passer en QRT parce que sinon ça n'avançait pas. Alors j'ai pas regardé les touches, mais on verra s'il faut les recalibrer. Donc en fait, on déplace notre personnage. Voilà. Avec le clic gauche, on voit qu'on peut prendre les objets. Alors déjà, on me dit de pas toucher. Moi, je veux prendre. Prends le truc. T'as eu l'air de... J'ai l'impression qu'il peut pas le prendre, mais il peut le foutre par terre. Ça. Non, on peut pas. La tasse, peut-être. Non, ils veulent pas. Je veux sortir, laissez-moi sortir. On va essayer de péter le poignet. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? On dirait qu'il y a des trucs qui ont été cochés. Alors avec contrôle, on peut s'accroupir. Bon, on va passer à la pièce suivante. On s'est fait refouler par là. Ah, ça j'arrive à le prendre. Ok. Commence bien. Hein. Je suis obligé de pouvoir une petite pierre. Non. Ah, si on peut. Ça se casse pas. L'ascenseur. Teething troubles with the doors, I'm afraid. The unlock button should be nearby. Est-ce qu'il faut passer par là? Ah, alors avec le clic droit, on tourne notre main, ok. Ensuite, Shift, c'est pour déplacer notre main sans notre corps. Excellent button pressing, you're a natural. Okay. I am sorry about the mess. C'est le bordel. Bob, c'est notre patient, je le plains déjà d'avance. On peut sauter aussi. Thank you.
That door requires an ID card. I'm sure I left mine around there somewhere. D'accord. Elle a laissé la carte de sécurité. Par là que ça se passe. Ok, je suis obligé de pousser. Ah, des notes. Ouais, il y a plein de badges. Anyway, I'm Dr. Pamela Preston, one of the founders. You'll be the very first to trial our surgeon simulator training program. Exciting! As I said, it's a work in progress. Merde, j'ai lâché mon badge. I'm always losing those things. Ta-da. This is Bob, a Barnetshire local. You'll get to know him very well indeed through the course of the program. Oh là là. The Surgeon Simulator Training Program is a groundbreaking new approach to surgery. Real patients, real conditions, simulated scenarios. Soon you'll be able to tackle all kinds of medical emergencies with ease and confidence. It's all terribly exciting. We'll start your training with a quick heart transplant. Don't worry, I'll walk you through it. It'll be a breeze. Oh, but... I'm not sure why that door's locked. Julian, why is that door locked? Oui, pourquoi c'est fermé? Okay, well, I guess we'll have to come back later. Let's try something a little different. Onwards! Merde. Oh, il est parti. Moi, j'ai des souvenirs qui me reviennent, notamment il y avait certaines missions... fallait faire les opérations dans l'espace, c'était quelque chose, la gravité était complètement pétée. Généralement ça terminait, c'est mal. Bon voilà pour ce petit didacticiel, gentil, ça nous remet gentiment sur les rails. Ok, let's try this instead. We're going to attempt a leg transplant. Mon dieu, transplantation de jambes. Canard de 47, ça. On va se laver la main unique. Je peux pas arriver à nous. J'ai pas l'impression que ça va. C'est dommage, ça fait. Ça met pas d'eau. C'est important d'avoir les mains propres. Surtout that gadget with the screen is a diagnostic scanner. It'll tell you what's wrong with your patient. Lesson one. Keep a close eye on Bob's blood level. If he bleeds out, it's game over. Ah oui, alors s'il perd trop de sang, alors voilà notre ami. According to the scanner, Bob's got a dodgy right leg. Rip it off. Ça va, mon pote? Rip his right leg off and put it in the chute. Arrachez-lui la jambe. Attends. Ça va, il perd pas de sang. Oula. Good. Now quickly pop the leg in the chute. Non. C'est pas la jambe que j'ai. Allez hop. Oula, dis donc, il devient tout vert rapidement. Now use the yellow syringe to stop Bob's bleeding. Seringue jaune.
Stop Bob's bleeding with a yellow syringe. Perfect. Nice. Now, grab the fresh leg and just pop it on. Faut que je remette ma main correct. Ok. Ensuite, une jambe toute neuve. Ça va venir, ça va venir. Lovely work. Remember, nice. When you rip off an appendage, Bob will bleed out very quickly. Let's continue. Bon, j'ai quand même failli lui enlever les intestins. Toute perte de sang. Looks like Bob's low on blood. Give him a top up with a red syringe first. He's looking better already. Rather than just ripping off a limb, use a little more finesse this time. Why don't you grab a saw? For good sawing technique, grab the saw straight on. If you need to realign your grip, drop it and try again. Align the saw with the cutting line, place it down gently, and saw back and forth until the limb drops off. Remember, if you use the saw, Bob will bleed out much more slowly. Saw his right arm off and pop a fresh one on. Avec le bras qui est prêt. Attends. Oh là. Saw his right arm off and pop a fresh one on. Bon, pas bien compte. His right arm off and pop a fresh one on. En fait, je fais plutôt j'avance et je recule. Et on a l'impression que le trait vert devient de plus en plus petit au détriment d'un. Ouais. Saw his right arm off and pop a fresh one on. Ouais. Ça paraît bizarre que ce soit si long. Ça va bientôt tomber. Saw his right arm off and pop a fresh one on. Ça devrait être bon là. Ah. Alors attends, tu te sens comment mon pote? Oh le sang putain. His right arm off and pop a fresh one on. Pas vite pas comme la dernière fois. S'il arrive à pas crever, ce sera un miracle.
Ah, il y a plusieurs bras. Saw his right arm off and pop a fresh one on. Attends, je sais pas. You really are something. Now remember, alors, for a successful appendage transplant, Bob must have all of his limbs and head. Ouais, faire un mouvement. Let's proceed. Comme ça, en fait. Au début, moi, j'ai secoué comme ça, mais c'était pas efficace. Bon, on s'est occupé d'une patoune, d'un bras. Finally, an organ transplant. Transplantation d'organes. Remember to check the diagnostic scanner. Oh là, va falloir casser des côtes. Successful transplant, the sick organs must come out. The rest of the organs are. Quoi, ça a volé? Crack the ribs with something heavy to get at his lungs. Grab a scalpel and stick it into a lung to remove it. You can just rip organs out, but Bob will bleed out much more quickly. Ça, j'avoue, ce qui m'éclatait. Viens là, toi, pépère. Tac. Toujours le problème de jeu, hein, c'est l'appréhension. Crack the ribs, remove the old lungs, and pop in some new ones. Crack the ribs, remove the old lungs, and pop in some new ones. Okay. Tout va bien pour l'instant, on n'a pas fait de dégâts. Ah! Oula! Oh merde! J'ai chopé un morceau déjà. Ah! Normalement je l'ai, hein. Putain, j'essaye de l'enlever, mais c'est coincé. Crack the ribs, remove the old lungs, and pop in some new ones. J'ai l'impression que ça peine à s'écasser. Il perd du sang un peu, ouais, il perd un peu de sang quand même. Oh, putain. Bon, normalement, faudrait le désinfecter, hein, il a touché le sol, mais. On n'a pas le temps. Je comprends pas pourquoi ça pas casse. Oula, attention, pas de coup de marteau. Crack the ribs, remove the old lungs, and pop in some new ones. Coup de marteau dans les. Voilà. Oups! On va le remettre. C'est marrant que la côte elle veut pas venir. Ah, ça y est. Crack the ribs, remove the old lungs, and pop in some new ones. Oups! Alors attends, parce que c'est les poumons ou le poumon? Parce que là, il y a quelqu'un qui a dégagé. Attends, qu'est-ce qu'ils disent? J'ai l'impression que j'ai dégagé un des poumons qui était viable. Crack the ribs, remove the old lungs, and pop in some new ones. Hop. Alors les bons poumons sont là. Hein. Il va comment au niveau du sang? Bon, ça va encore. Hein. Crack the ribs, remove the old lungs, and pop in some new ones. Bouge pas, faut que j'essaye de sauter dessus, mais j'ai l'impression que je veux pas qu'on saute dessus. Si, voilà, c'est bon. Non, je me souviens que ce qui compte c'est de les balancer dedans des fois, c'est pas forcément. Le son commence à être pas bien. Avec le deuxième. Yes! Ah, il nous fait des repères. Et on est très fort. When my friends and I built this place, we hoped to open up the mysteries of surgery to the world. We believe anyone, no matter their background, can become a surgeon. As you can see, all it takes is a can-do attitude. Nice. Diplôme presque en poche.
Welcome to the lobby. Before we move on, you should use the mirror to make sure you're looking presentable. Félicitations, vous pouvez désormais accéder à des zones toutes taxées avec les modificateurs de jeu. Les modificateurs de jeu changent considérablement l'environnement des niveaux et sont conçus pour être assortis afin de créer toute une variété de nouvelles expériences. Pour activer et configurer les modifications, rendez-vous dans les fenêtres de modification du menu du jeu. Alors déjà, notre avatar... Alors... C'est quoi cette tête? Ok... Celui-là est un peu raccord avec la profession. Ah, la main avec le gant. Je crois qu'il a pas de tenue de chirurgien. Je pense que c'est assez raccord avec le bordel qu'on va foutre. Médecin du Moyen-Âge. See those big glass rat tubes on the other side of the room? We can use those to get anywhere in the entire facility. But before we do that, we'll have to use the terminal to set their destination. Je pense que ça va être les missions, ça. The terminal is the fancy looking machine in the center of the room. Use it to set the destination of the vac tubes. Ok. Alors, niveau créé par la communauté, mode histoire, mode groupe, mode création. On va continuer avec le mode histoire. Alors, on a tout un tas de missions. Alors, on a fait l'initiation, on a fait l'apprentissage déjà. Et on peut voir toutes les missions. De la médecine. Alors ça peut jouer jusqu'à 4. Ouais. Je vous dis pas le fondage de gueule. Hein. À 4 à essayer de faire ce qu'on peut. Alors ça serait quoi? Cœur brisé. Le cœur de Bob est en train de lâcher. Il faut donc ouvrir Bob et en mettre un nouveau. Préparez vos marteaux. Soignez le patient en moins de 10 minutes en perdant moins de 700 millilitres de sang. Bon, ça c'est pour... c'est les conditions de succès. Hein. Wonderful. On va essayer, je promets pas qu'on y arrive. I highly recommend bringing some friends along. After all, the more the merrier is one of our mantras here at Bossa Labs. Ce qui est sûr, c'est qu'on va se marrer. You can access your friends list using the escape key. Let's go. Poor Bob's heart is on its way out. Luckily, our bioreplicator unit, the Brew, has produced a replacement. The Brew is our greatest achievement and works almost perfectly. Oh, il y a un nounours. Ça, c'est pour notre patient quand il sortira. Ma carte. Ok. Qui parle pour nos seringues. Allez. Je vais déjà en sortir une de chaque. Someone's messed with the fridge door. Alors, pour accéder à là, il faut
mettre un cœur, alors peut-être celui de notre patient quand on l'a enlevé, c'est-à-dire qu'on n'aura pas beaucoup de temps. Et il nous faut une autre carte. Faut peut-être plutôt les mettre sur une table, ça serait plus propre. Qu'est-ce qu'on en parle là? Lâche. Voilà, pour faire du dégât là. On se prend plus pour Van Helsing que pour. Pour le Dr. House. Alors. Je crois avoir vu d'autres choses. Des marteaux, ah, un marteau. On va essayer de faire quelque chose de bien au niveau de la déco. Hop, on a notre marteau. Ok. Fermé. Oh, my old office. I rather miss it. Hey, hey, look, don't believe anything she says. You don't know what she's capable of. I've got to go. Stay alert. Qu'est-ce qu'il raconte? Il y a un mec qui est coincé dans le... dans le truc d'aération. Ça me badge. Never too soon to plan ahead. Ouais, par contre, il me faut le cœur, sinon je peux pas accéder à... Bon. Ok, on va appeler le patient maintenant. Bob, check the diagnostic scanner to see what's ailing him. Alors, qu'est-ce qu'il dit le scan? Il manque rien, malade de cœur. Donc, il faut le remplacer. Peut-être. Quelqu'un de prévoyant. Je connais bien la loi de Murphy. Si quelque chose doit mal se passer, ça se passera mal. Surtout au niveau du sang sur le cœur. Avant d'arriver jusqu'au cœur, il y a quelques éléments, j'allais dire, à arracher, mais non, c'est pas le bon terme. On va les enlever proprement. Alors, monsieur. Et arrête de me toucher les parties, toi, avec ta main qui se balade. Allez, on attaque. J'ai pas l'impression que je tape. Là. Ah, là, ça a tapé, là. Oups, pas trop dans les intestins. On va essayer de casser cette côté. C'est cassé ou pas? J'ai pas l'impression. Là c'est bien parti. Voilà. Ça c'est tombé. Voilà. Fait que je le mette un peu plus loin. Ma main, on va continuer. Ah! Ok. Attention, pas trop taper les... Ok. Bon, maintenant, on enlève. C'est vraiment la notion de profondeur qui est la plus... Parce qu'en fait, visuellement, on a l'impression qu'on est dedans, mais le jeu veut pas accrocher les objets. C'est dingue, hein.
C'était déjà ça que je trouvais difficile dans le jeu, cette notion de... Voilà. Ok... Oula, 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 oulala, je choque l'intestin. C'est dingue, pourquoi il veut pas? Ah! Oups! Oh, putain. Allez, et les petites côtes flottantes là. Bon. Voilà, on a tout chopé par contre. Y'a peut-être ça qui va le. Ah là là, mon dieu. Commence à paniquer. Hein. De toute façon, il n'a pas besoin. Ah, c'est bon. Merde, il perd un peu quand même. Choper l'autre. Par contre, disons, les poumons, ça s'enlève. C'est inquiétant le corps humain des fois. Est-ce que je peux lui péter les côtes du haut là, parce que ça me... J'ai l'impression que ça va me casser les pieds. Ça se casse ça ou pas? Ouais. Ok. J'ai peur que la manière dont ma main est mise. Prends le cœur. Qu'est-ce que j'ai au bout? Je crois que je l'ai. Putain, je l'ai fait tomber. Il est ouvert. Dépêche-toi. Non! C'est quoi cette saloperie? Ah là 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 là, bon. Bon, par contre. Là, on le voit, il y a un problème d'appréhension qui est assez. Voilà. Ok. Comment tu vas, mon pote? Oh là là, il est pas bien. On lui en met une deuxième. J'espère qu'ils ont ouvert la porte. Hein. Julian, you know arms and legs don't belong in there. Il est où le cœur, putain? Balance! Il y a un mec qui va... Oh, putain. I'm sure it is, but secret projects on your own time, please. Chope le cœur, vite. A very fine thoracic surgery. Yes. And it still has all its... Yes. Excellent. Oh putain. Alors les stats, on peut voir combien. I'm sorry for the hiccups with the doors and such. These rooms were designed to test your surgical abilities, but I guess we've still a few kinks to iron out. Julian, il y a peut-être encore besoin de ça. Putain, on l'a fait. Bon, forcément, on n'est pas... Ah, niveau temps, 39 secondes de trop. Par contre, au niveau du sang... Bon, heureusement, on lui a fait quelques injections. Alors, il y a un système d'XP qui doit nous faire gagner des objets, des cosmétiques, des trucs comme ça. Eh bien écoutez, on va s'arrêter là pour cette vidéo découverte. Bon, il est fidèle
au premier opus, hein. Alors par contre il a les mêmes qualités mais les mêmes défauts, c'est que on se marre complètement à faire les opérations. Par contre très clairement la maniabilité c'est vraiment la clé du succès. Puis il y a également toutes les interactions nécessaires, vous avez vu, pour pouvoir avoir le bon cœur, il fallait, je vais trouver la carte, il faut mettre l'ancien, faut aller dans la bonne pièce, faut tirer le levier, donc les premières fois, ça rajoute un peu de stress à la chose. Et puis vous avez vu également, le jeu propose pas mal de missions, je sais pas comment ça se passe à 4, mais je pense que ça doit être assez fandard, je pense que c'est un jeu sympa à découvrir. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, et moi je vous dis à très vite.